Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oleana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois d'avril 2022 pour le signe D. Il m'en reste encore. Allez, on y va, c'est parti. Merci pour le signe D, Gémeaux. Allez, c'est à vous mes amis Gémeaux. Alors mes amis Gémeaux, votre tirage général se fera avec Monsieur le jeu 32 comme d'habitude, mais un tirage à 15 cartes. Votre tirage sentimental se fera avec Monsieur l'oracle des miroirs, un tirage du destin, tirage à 13 cartes, suivi d'un complément à 3 cartes avec Monsieur l'oracle de la civile. Ça c'est ok. Et on terminera avec Monsieur Papus, un tirage à 3 cartes également, pour un complément d'information, que ce soit dans le général ou sentimental, ou voire les deux. On verra bien. Wali walou. Allez, on y va mes amis Gémeaux pour votre tirage général pour ce mois d'avril 2022. C'est parti, mon kiki. Oh, oh, bah t'es, regardez-moi ça. Touk. Elle a voulu parler, celle-là. On nous parle de signature, on nous parle de déménagement, de changement, quelque chose d'inattendu. En tous les cas, c'est positif. Alors, ça peut nous parler de signature de contrat, quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous avez, si vous êtes mes amis Gémeaux, dans une situation de chômage, hein, vous êtes actuellement dans une période de chômage, que ce soit de longue durée ou pas de longue durée. Là, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous avez passé un entretien dernièrement et puis là, on vous appelle et boum, 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 c'est parfait, quoi. On vous embauche, en tous les cas, on signe un contrat. Donc là, c'est plutôt topissime. On peut nous parler avec ce 10 de carreau. Alors, c'est sûr que là, ça va vous changer la vue, la vie, parce que c'est quelque chose d'inattendu avec ce 8 de cœur. Mais là, on va parler vraiment de mouvement, de changement, hein, si ce n'est pas un déménagement, en tous les cas, dans le domaine professionnel, signature de contrat. C'est plutôt tapissime. Sinon, là, concernant ce 10 de carreau, As de pique et 8 de cœur, là, il y a des bonnes nouvelles concernant une signature de contrat, peut-être un accord, que ce soit par rapport à une vente ou l'achat d'un bien immobilier, peut-être par rapport à un accord de prêt. En tous les cas, il y a de la signature pour vous permettre justement de déménager. Là, il y a une envie de déménager pour vous, mes amis Gémeaux. En tous les cas, ça va nous parler de changement, de mouvement et voire de déménagement. Et on signe et on est heureux et heureuse. Bon, mais écoutez, c'est plutôt intéressant ça. On va voir si ça ressort dans votre tirage général, un tirage à 15 cartes. Ça a donc 3 cartes au milieu, 6 cartes en haut, bien évidemment, et 6 cartes en bas. Après, je les replace correctement. Allez, c'est parti, on a toutes les cartes. Hop, hop, hop. Là, normalement, vous les voyez. Yes. Allez, d'autres decks. On les mettra après. Voilà. Allez, zou. Oh, regardez, nouveau départ. Grossesse, nouveau départ. Réconciliation, nouvelle rencontre. En tous les cas, pour là, pour ce mois d'avril, mes amis Gémeaux, là, il y a vraiment quelque chose de positif. Avec ce 7 de cœur, waouh, projet peut-être de repartir sur de nouvelles bases, projet de bébé, projet de grossesse. Alors, bien sûr, quand je parle de grossesse, c'est pour les personnes, bien évidemment, qui le souhaitent, qui le désirent et qui sont toujours en âge d'avoir un bébé. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine d'une grossesse. Pourquoi pas, vous pouvez apprendre une grossesse, mais là on nous parle de projet, donc ça c'est bien sûr pour vous mes amis Gémeaux, hommes Gémeaux ou femmes Gémeaux, si vous êtes en couple bien évidemment. On nous parle aussi de nouveaux départs, peut-être grâce, regardez, ça peut être l'accord d'un prêt immobilier. On a le 10 de trèfle, hein, et ça va vous permettre justement de repartir sur de nouvelles bases. Mais en tous les cas, c'est plutôt topissime. Hein. Regardez, ça peut être dans le domaine sentimental avec ce roi de cœur qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous love. Mes amis, oula, mes amis Gémeaux. Bon, oula, 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 oula. Bon, ben là, on a 3 personnages dominants. Hein. C'est rare quand il y a comme ça, à la continuité. On a une dame de cœur, une dame de carreau et un valet trèfle. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, c'est cash. Cache, cache, vous avez une femme pas bonne autour de vous, une fille, une meilleure amie ou une sœur, en tous les cas une personne proche de vous, qui ne vous aime pas, qui est peut-être, normalement, quand vous avez une dame de carreau et un valet trèfle qui sont ensemble là, qui se suivent, ça serait par rapport à un couple. Alors, soit vous avez une sœur qui est déjà en couple, tout simplement, voilà, qui ne vous aime pas, qui vous ne kiffe pas, qui ne vous love pas, il y a de la jalousie, en tous les cas, par rapport peut-être à ce nouveau départ vous concernant. Par contre, dans l'autre cas de figure, vous avez peut-être là rencontré quelqu'un qui, lui, par rapport à cet homme ou cette femme, a une femme pas bonne autour de lui. Et c'est une personne qui est proche, ou par rapport à elle, hein, qui est proche autour de lui, qui est proche autour d'elle. D'accord ? Donc là, faites attention, côté féminin, mes amis Gémeaux, autour de vous. Ça peut être aussi une femme qui tourne autour de votre chair et tendre. D'accord ? Donc faites attention.
Oh, on nous parle de blocage. Cette personne-là que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer, on nous parle de blocage. Elle est bloquée. Alors, est-ce que c'est une personne qui est en couple? Pourquoi pas? Donc là, on parlerait pour mes amis triangulaires gémeaux. Ou alors, là, dans la continuité, là, vous voyez, vous avez beaucoup de personnages, enfin, beaucoup de personnages avec le 8 de trèfle, parce que le 8 de trèfle, c'est quand même une jeune femme brune, hein, dans la signification du jeu de 32. Et là, à côté, nous avons un valet de cœur. Donc là, est-ce que cet homme... Je parle bien uniquement dans le domaine sentimental. Là, on verra avec Monsieur l'oracle des miroirs pour confirmer tout à l'heure. Mais là, honnêtement, si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être une nouvelle personne. Hein. Alors, une personne qui est peut-être plus âgée, enfin, pas plus âgée, mais plus jeune que vous, le même âge que vous ou légèrement plus âgée, à 1 ou 2, 3 ans près. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, c'est une personne, en tous les cas, qui est immature. Vous voyez, qui ne sait pas trop... voilà, un coup j'avance, un coup j'y vais, c'est un peu ce côté immature. Mais c'est une personne qui présente bien à la base, donc ça veut dire qu'il s'habille bien, qu'il s'apprête bien, qu'il est plutôt correct, et elle est plutôt correcte. Mais là, on nous parle de blocage. Dans la continuité de votre tirage à 15 cartes, lui ou elle est bloqué par rapport peut-être à un enfant, que ce soit un fils, une fille, une sœur, un frère, etc. Ou alors, il a une fille qui est jeune adolescente et qui fait un petit peu... sa crise, on peut dire ça. Donc là, il y a vraiment des personnages qui, de votre côté, vous, mesdames Gémeaux, vous, messieurs Gémeaux, il y a peut-être aussi une problématique vis-à-vis d'une sœur, d'un frère qui est jaloux de votre relation ou qui est jaloux de votre projet que vous allez réaliser, peut-être d'un bébé, hein, si vous êtes en couple, peut-être un projet de vous mettre à votre compte. En tous les cas, là, on ressent qu'il y a beaucoup de jalousie dans le côté, on va dire, figure. Vous voyez, vous avez le valet de cœur, vous avez la dame de cœur, vous avez la dame de carreau, vous avez le 8 de trèfle, qui est considérée comme une jeune femme brune. Et on nous parle de blocage. D'accord ? Mais ça peut être votre fils, votre frère, votre meilleur ami qui est mal accompagné. D'accord ? Donc faites attention quand même, mes amis Gémeaux. Vous allez en recevoir des nouvelles. Il y a de la joie qui va arriver pour vous dans le domaine professionnel. Je vous ai dit, hein, on avait l'as de pique. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine, on va dire, professionnel. Une élévation professionnelle. Peut-être, comme je vous ai dit, de vous mettre à votre compte. En tous les cas, est-ce que vous voulez peut-être vous associer, peut-être que vous allez en parler avec votre frère, votre fils, votre meilleur ami, côté masculin, ça va vous apporter de la joie, peut-être, et on en discute, et peut-être que là, il y a de la famille, dans la famille, qui aura de la jalousie. Bon, en tous les cas, côté professionnel, c'est la réussite. Concernant le côté financier, c'est aussi du positif, parce que là, on reçoit des bonnes nouvelles concernant de la joie, concernant un gain, concernant de l'argent. On l'avait là, hein, vous voyez, on a là, regardez, 10 de trèfle, as de pique. Tout simplement. Donc là, peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant un prêt immobilier ou par rapport peut-être à un accord d'argent, hein, un prêt, un gain, je ne sais pas, où on vous devait de l'argent. Alors, ça peut être quelque chose familial, ça peut être un héritage, hein, tout simplement. On va voir si on a le roi de pique. Ah ben tiens, hey, c'est hallucinant. Le roi de pique est là. Génial. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans tout ce qui est procédure. Vous gagnez. Hein. Sur du retard, il y aura peut-être des contretemps. Mon consultant Gémeaux ou ma consultante Gémeaux. Ou éventuellement votre partenaire masculin-féminin, vous inversez. Là, il y a vraiment beaucoup de figurines. Hein. On en est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On verra les trois autres dernières, là. Mais en tous les cas, là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bénéfique dans le domaine financier, de gain, de procédure. Mais attention, là, il y a de la jalousie. D'accord ? Tout simplement. Les choses vont se dissiper sur du retard. Il y aura encore quelques contretemps, quelques petites contrariétés par rapport à ça. Vous voyez, il y a de la colère avec certitude et vous allez devoir vous déplacer. Donc là, il y a vraiment, vous allez peut-être devoir vous déplacer, peut-être une réunion familiale autour d'une table vis-à-vis de ce roi de pique, hein, tout ce qui est d'ordre juridique. Ça peut être un notaire. On voit qu'il y a de la colère. Vous allez vous réunir parce que là, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a quand même 6 personnages si je ne compte pas le 8 de trèfle. Mais là, il y a vraiment quelque chose où vous allez devoir vous déplacer, ça va, vous allez pousser votre gueulante avec certitude et vous allez devoir, il va y avoir un face-à-face, d'accord? Donc là, ça peut être un avocat, on a quand même ce roi de pique à l'intérieur, on va faire les associations de cartes, mais quoi qu'il arrive, on essaye de vous bloquer suite à une somme d'argent que vous attendez, suite peut-être à un héritage, suite parce qu'on vous devait de l'argent, vous avez mis ça en procédure et c'est vrai que vous allez devoir pousser votre gueulante avec certitude, vous allez devoir vous déplacer, d'accord? Vous réunir autour d'une table par rapport au juridique, mes amis Gémeaux. Mais en tous les cas, là, très belle lignée, hein. Donc ça c'est bon, et on a, et puis rappelez-vous à la coupe, on avait une très très belle coupe. On va faire les associations de cartes. Alors, nous avons quoi? Nous avons un as, un seul. En roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai trois. Donc trois dames, comme je vous ai dit, faites attention à cette dame de carreau, qui pourrait être proche de vous, hein. On a la confirmation avec cette dame de cœur, mais on va la recouvrir après. Donc trois dames, c'est réunion, discussion. Je vous ai dit, hein, il va y avoir de la réunion, de la discussion dans l'air. Peut-être autour de ce roi de pique, tout ce qui est d'ordre juridique, notaire, etc., etc. Homme de loi en tous les cas. Alors, quatre dames, trois dames, bien sûr, amitié, prudence. Donc, faites attention à cette personne qui est proche de vous, hein, d'accord ?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? En vallée, on n'en a que deux. Ok. En 10, ben, j'en ai pas. Ok. En 9, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, superbe. Ça, c'est génial. Réussite. 4, 9, la synonyme, enfin, la signification, c'est réussite. Et la synonyme de 4, 9, 3, 9, c'est l'argent. D'accord? Quand c'est 3, 9, c'est petite réussite, petit profit. Projet, pardon. Et donc là, il y a vraiment quelque chose où vous avez les 4, 9, vous avez gain de cause et vous avez la réussite. Ça peut être par rapport à une procédure. Mais vous avez l'argent, hein, d'accord? Donc ça, c'est topissime. Et on l'a vu là en dos de deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? En 8, j'en ai combien? J'en ai qu'un. OK. En 7, 1, 2, 3. Celui-là, je ne compte pas. Hein. Donc 3, 7. Faites attention à des petites douleurs passagères. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des petits maux de ventre. Donc bien sûr, si c'est passager, hein, généralement, on connaît un petit peu notre corps. Donc on sait si on est sujet souvent à des maux de tête. Mais si vous voyez que c'est inhabituel, on va voir le médecin. D'accord? Et sinon, si vous n'avez pas le médecin, si vous vous sentez vraiment pas bien, vous avez les urgences. Hein. Restez pas comme ça. Bon, on va recouvrir les cartes négatives. J'ai quoi? La dame de carreau, les blocages et la colère. Hop là. Colère vis-à-vis des gens pas bons autour de vous. Donc, ça peut être cette dame de carreau et ça peut être plusieurs personnes. Hein. Le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes. OK? Et on nous parle, génial, vous avez la réussite sur cette femme. Donc, quoi qu'il arrive, tout ce qui était bloqué, ça va se débloquer. Et là, on voit bien que vous êtes contrarié par rapport à ces blocages. On voit que vous n'êtes pas bien. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir quand même ce valet de pique. Dans la continuité. Ouais, c'est à l'instant T. Hein. Je vais recouvrir. Bon, il y a une invitation dans l'air. Faites attention, ces gens pas bons vont essayer de vous inviter pour venir aux infos. Tout simplement, mes amis Gémeaux. Et là, on nous parle de changement de mouvement. Donc là, on voit bien que vous êtes bloqué, vous êtes contrarié par rapport à ces blocages. Vous avez la réussite, c'est apparemment une femme. Ça peut être d'ordre familial, etc. Ça peut être d'ordre professionnel, mais là, ça serait peut-être plus. C'est vrai qu'on n'a pas sorti l'as de cœur. Hein. Il est bien là. Oui, il est là. Donc, pour moi, ça serait d'ordre plutôt, on va dire, d'ordre familial, hein, par rapport à un héritage, mais ça peut être concernant le domaine professionnel, hein, tout simplement. Peut-être que vous voulez partir, vous attendez des indemnités, vous avez mis votre patron ou votre patronne en procédure, regardez. Dans le temps, ça va trancher, il y a un verdict. Hein, et ça va nous permettre de déménager, de voyager, de changer d'air. Ça va bouger pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'avril. Tant mieux, tant mieux. Allez, on continue. On nous parle de cadeau du ciel. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Hein. On l'avait, ce 8 de cœur. Hein. Cadeau du ciel, c'est là-haut. Hein. C'est les cadeaux de l'univers. On vous protège de là-haut. Allez, mes amis Gémeaux, pour le sentimental. C'est parti, mon kiki. Oh, on nous parle de compromis. Une réconciliation, si c'est dans le domaine sentimental ou en tous les cas, il y a un engagement. On se serre la pince. Hein. Il y a un contrat, il y a un engagement. Mais on peut nous parler, hein, comme la coupe qu'on a vue avec Monsieur le 32, on peut nous parler de contrat de travail. Hein. Il y a un compromis pour vous, mon consultant Gémeaux ou ma consultante Gémeaux. Allez, on y go. Tirage du destin. Hop, hop, hop. Mes amis Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, c'est parti, mon kiki. On nous parle d'instabilité dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vous tracasse? Je vais mettre là, après. Non, c'est là que je mets. Oh, je suis chiante. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est OK. Bon après, de toute façon, vous les voyez bien, l'oracle des miroirs, vous les voyez bien quand je les place comme ça. Allez, instabilité dans le domaine professionnel par rapport à cette rencontre. Vous ressentez que c'est la bonne personne. On nous parle d'échec, vous n'êtes pas bien dans le domaine familial. Oh, j'ai quoi derrière? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, il y a des rêves quand même. Hein. Vous avez des rêves, mais la famille va s'en mêler. Allez, mes amis Gémeaux, on nous parle de trahison directe. Là, mes amis Gémeaux, soit allez en dominant. Alors, soit vous avez déjà été trahi dans le domaine sentimental et vous avez peur de vous refaire trahir. Ça peut être vous, mes amis Gémeaux, mais ça peut être votre futur partenaire qui a peut-être, ou votre partenaire qui a été trahi. D'accord? On est dans la continuité. On nous parle de jalousie. Donc là, on est bien par rapport à tension. Soit, je vais recouvrir la carte de trahison à la fin. Là, on nous parle de trahison, de jalousie. Donc, faites attention, mes amis Gémeaux, quand vous allez rencontrer une personne ou vous êtes actuellement, vous venez de rencontrer quelqu'un, que ce soit le retour de l'ex, etc., ce que je fais pour tout le monde, faites attention à la jalousie. Hein. Faites attention, on l'a vu, hein, il y avait la dame de carreau, la dame de cœur, donc ça peut être quelqu'un de proche de vous, hein, même dans le sentimental. On nous parle de verdict, vous allez devoir trancher. Alors, est-ce que c'est une personne, comme je vous disais, est-ce qu'elle a elle était déjà en couple quand vous l'avez rencontrée, elle était en instance de divorce, pourquoi pas, elle s'est fait trahir. Donc, ça peut être cette personne-là qui s'est fait trahir, tout simplement. Mais ça peut être vous aussi. Hein. En tous les cas, vous allez être tranchante, lui ou elle aussi.
On nous parle de culpabilité. Donc là, pour moi, ce serait plutôt vous, hein, qui va être tranchante. On va vous reprocher des choses. Mais en tous les cas, vous avez la réussite sur ces gens-là. On vous dit oui. On vous dit oui pour cette relation. On nous parle de changement. On nous parle de ça va bouger. On avait ce 10 de carreau tout à l'heure. On nous parle d'enfants. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer, a déjà des enfants. Mais vous vous projetez certes avec cette personne-là, mais on voit que ça vous perturbe. On a cette carte d'instabilité. Hein. Vous y allez à petits pas, hein, et vous avez bien raison. On vous dit que cette relation s'est perçue comme un cadeau du ciel, donc ça c'est bon. On nous parle encore d'hérédité. Alors c'est la famille, les enfants, hein, sont juste l'un à côté de l'autre, les deux cartes. On nous parle de coup de chance. Donc pour moi, tout va bien se passer vis-à-vis des enfants. Si cette personne a des enfants ou vous, il n'y aura pas de problématique. Regardez, on continue dans la joie et la bonne humeur et le bonheur avec cette carte de roue qui tourne et à votre faveur. La roue tourne enfin pour vous. Mais on vous dit que chaque chose en son temps. Donc là, on vous dit bien, pour résumer, hein, après je décortique, pour tout le monde, mes amis Gémeaux, dans le domaine sentimental, on voit que vous avez souffert, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, qui a souffert sentimentalement, beaucoup de jalousie. Mais on vous dit dans le temps, les choses vont se mettre en place. On voit que vous faites attention, mais en tous les cas, il n'y a aucun souci par rapport à la famille, à lui ou à elle que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. Il n'y aura pas de problématique. Je pense que c'est par rapport à vous. Hein. Votre tirage, là, est vraiment par rapport à vous, mes amis Gémeaux, concernant le passé, concernant cette trahison. Donc, mes amis célibataires, on vous dit bien que là, vous allez rencontrer une personne. Alors, soit la personne, comme vous disiez, s'est fait trahir, mais moi, pour moi, ce serait plutôt vous. Et on vous dit que cette relation vous fait peur, vous tracasse, parce que vous avez été trahi dans le passé. Pourquoi ? Bon, alors, certes, c'est sûr, il y a de la jalousie, il y aura de la jalousie, il y en a partout, donc vous inquiétez pas. C'est pour tout le monde, hein, la jalousie, ça existe, hein, ce mot-là existe, donc voilà, même dans la réalité, bien évidemment. Donc, en tous les cas, on nous parle de jalousie, mais on voit que vous allez être tranchante. Alors, ça peut être des gens autour de vous, ça peut être des amis, mais là, on vous dit que les enfants, la famille, mais moi, pour moi, ça serait plutôt de votre côté. Du côté de cette personne qui a peut-être déjà des enfants ou voudrait des enfants, il n'y aura pas de problématique. D'accord ? Moi, ce serait plutôt de votre côté. Donc, je récapitule. Mes amis célibataires, trahison, certes, par rapport au passé. Vous avez peur à la trahison, vous avez peur à la jalousie. Vous allez devoir trancher vis-à-vis de ces personnes-là autour de vous. On va vous culpabiliser, mais on vous dit que oui, vous avez la réussite avec cette personne que vous allez rencontrer. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. On vous dit qu'il y a les enfants qui sont là. Peut-être que vous avez des enfants. Et on vous dit que ça vous tracasse, hein, peut-être de leur annoncer que vous avez rencontré quelqu'un. Mais on vous dit que là, la relation se passera bien, ça sera perçu cette relation comme un cadeau du ciel. Avec les enfants, que ce soit les vôtres ou les siens, il n'y aura pas de problématique. On vous dit qu'il y a l'hérédité, peut-être que cet homme ou cette femme a déjà des enfants, comme je vous ai dit, hein, ça ressort deux fois. On vous dit que c'est un coup de chance, nouvelle vie qui se prépare pour vous avec cette nouvelle personne et les choses vont se faire dans le temps, en temps et en heure. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on nous parle de trahison. Alors, soit lui ou elle que vous avez rencontré s'est fait trahir ou de votre côté. Moi, pour moi, ça serait plutôt vous. On nous parle de jalousie. Faites attention quand même dans votre couple, mais la jalousie, il y en a partout. On nous parle de verdict. Est-ce que c'est une personne qui était fraîchement divorcée ? Ça peut être vous aussi. Mais en tous les cas, on nous parle de culpabilité. Moi, pour moi, on va essayer de... Ce serait plutôt de votre côté. On va vous culpabiliser, de dire « Mais non, tu vas te retromper, tu as déjà été marié, tu vas voir, ça va refoirer. » Non, il ne faut pas les écouter parce qu'on vous dit oui avec cette personne. On vous dit que cet homme-là va vous changer ou cette femme-là va vous changer la vie. Il va y avoir du mouvement, du déménagement, pourquoi pas. On nous parle d'enfants. Alors là, on nous parle de projection. Vous avez peur, vous voulez peut-être protéger. Vous êtes une maman ou un papa qui protège ses enfants et ça, c'est tout à votre honneur. Mais là, on vous dit bien que... Quoi qu'il arrive, vous allez préparer votre départ, vous allez préparer l'annonce, mais en tous les cas, on vous dit que là, c'est perçu comme un cadeau du ciel et les choses vont se faire dans le temps, d'accord ? Et ça sera vraiment un coup de chance et vous avez la réussite avec cette personne, malgré cette carte d'instabilité qui est là, mais ça vous tracasse. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle de trahison. Alors, est-ce que dans le passé, il y a eu trahison ? Est-ce qu'on a essayé de casser votre couple à cause de cette jalousie par rapport à votre couple ? Vous allez être tranchante, votre mari ou votre femme aussi. Donc, tranchante, pas par rapport à vous, mais par rapport aux gens qui essayent de vous culpabiliser. En tous les cas, on vous dit oui, la relation est bonne. Cette relation que vous avez, votre mari, votre femme, est super bonne. En plus, c'est aperçu comme un cadeau de la vie. Peut-être qu'il y aura du changement, il y a un coup de chance aussi. Il y a une situation de verdict, hein, vous allez devoir trancher vis-à-vis de ces gens jaloux. En tous les cas, on vous dit oui. Il y a peut-être aussi, peut-être, il y a eu quelque chose qui vous a rendu instable vis-à-vis de vos enfants. Mais les enfants sont avec vous. Hein. Moi, je n'ai pas de problématique vis-à-vis des enfants dans votre tirage. Hein. Moi, c'est plutôt les gens autour de vous. Ça peut être une tante, ça peut être une sœur, une belle-sœur, vous voyez, qui vous critique et qui peut-être ont essayé d'influencer vos enfants. Mais en tous les cas, vous avez toujours été protectrice de vos enfants et ils ont toujours été là et on nous parle de changement, de réussite et on vous dit que dans le temps les choses vont se remettre en place parce qu'il y a la trahison et ça vous rend instable quand même et ça je peux comprendre. Ensuite pour celles et ceux qui sont en couple mais qui veulent divorcer, bon là il y a eu trahison,
il y a eu de la jalousie. En tous les cas, le verdict sera là, le divorce sera là. On va vous culpabiliser. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trompé? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Ou c'est votre mari, votre femme? En tous les cas, il y aura de la culpabilité. On va vous montrer du doigt. Mais en tous les cas, on vous dit oui pour le divorce. On vous dit que c'est bien acté, signé. Il va y avoir ce nouveau changement. Les enfants ne vous en tiendront pas compte. Quoi qu'il arrive, c'est un coup de chance. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. C'est perçu comme un cadeau du ciel, ce divorce. Et les choses vont se faire dans le temps. Et on vous dit oui, hein, par rapport à ce divorce, même si ça peut vous perturber et vous mettre un peu dans l'instabilité. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle de trahison, vous avez peut-être peur que justement cette personne vous trahisse. Faites attention, les gens pourraient essayer de casser votre relation à cause de la jalousie, bien évidemment. La personne divorcera, alors je pense que cette trahison, ça sera quand la personne avec qui vous êtes en triangulaire divorcera. Donc il y aura le verdict, il y aura bien le divorce, les enfants apparemment ne pourront pas trop, on voit pas, j'ai pas de carte négative vis-à-vis dans la continuité. Là, je n'ai pas de problématique, mais on vous culpabilisera, on vous montrera du doigt. Donc, ça sera peut-être l'ex-femme ou l'ex-mari qui vous fera les gros yeux. Donc, voilà. Mais en tous les cas, vous vous projetez, mais à petits pas. On nous dit que cette relation est perçue comme un cadeau du ciel. On vous dit que vous avez la réussite avec cette personne-là, pardon. Et on nous parle que dans le temps, on vous dit oui et que les choses dans le temps se mettront en place. Et il y aura beaucoup de changements, mais on voit que ça vous rend instable, chose qui est tout à fait logique. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On vous dit qu'il y a peut-être eu trahison, peut-être qu'il y a eu infidélité, je ne sais pas, ou mensonge. En tous les cas, quand vous allez retourner, cette personne-là revient bien, ce sera perçu comme un cadeau du ciel. Peut-être vous avez déjà eu des enfants, ou pas du tout. Mais là, les enfants apparemment ne dirait rien. On nous parle quand même de jalousie, ça peut être concernant sa famille à lui, mais moi ça serait plutôt votre famille à vous. Et on nous parle de verdict, vous serez tranchante ou tranchant vis-à-vis de votre famille, de ces gens jaloux qui vont vous montrer du doigt en voulant dire « Ah, c'est pas bien que tu retournes avec lui ou avec elle. » On voit que vous vous projetez, mais vous faites attention, vous marchez sur des œufs. En tous les cas, on vous dit oui, il y aura un nouveau départ, ça sera perçu comme un cadeau du ciel, mais chaque chose en son temps. Je vais juste recouvrir la carte de la trahison pour voir. Sur du retard, hein. Donc la trahison peut-être n'est pas encore faite, hein. Voyez. Donc vous allez partir, vous allez prendre un autre chemin, non pas par rapport à la, comment je veux dire, par rapport à la relation, mais je pense que ça sera pas non la trahison de la personne avec qui vous êtes, hein. Sur du retard, je pense que vous allez être déçu de certaines personnes et ça va vous faire amener que vous allez devoir faire des choix. Et peut-être justement, concernant sur du retard, vous allez peut-être prendre la poudre d'escampette et vraiment penser à vous et cette relation avec, avec cet homme ou cette femme. Hein. Donc, il faudra faire attention aux gens pas bons. Hein. On vous culpabilisera, quoi qu'il arrive. Allez, on va regarder avec monsieur Laurent de la Sibylle, un petit complément d'information pour vous, mes amis. Ouais, vous avez la victoire vis-à-vis d'une femme pas bonne. Hein. Il y a une dame de pique, hein. Peut-être une femme plus âgée que vous, une maman, une belle-mère, je ne sais pas, ou une future belle-mère, on nous parle d'une veuve, en tous les cas, mais vous avez la victoire. Hein. On a un 5 de trèfle, donc le 5 de trèfle, lui, nous parlera de succès dans le sentimental, donc là, on est en plein dedans. Et vous avez les espoirs qui se réalisent, vous avez la guérison, la sérénité, donc là, topissime. Mes amis Gémeaux. Allez, hop, hop, hop. On nous parle d'absence, on nous parle d'attente, on nous parle de chagrin. Oh, vous êtes dans l'attente. On nous parle de visite. Alors, est-ce que c'est une personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, ou c'est un ex, hein, ou pour celles et ceux qui sont triangulaires ou vice-versa, hein. Là, vous mettez, je le fais pour tout le monde, hein, le sentimental. Là, on nous parle de visite. On a bien ce valet de cœur. Donc là, peut-être que vous êtes dans l'attente. On a un 6 de carreau. Le 6 de carreau, c'est la situation qui se débloque, signature de contrat. Alors, est-ce que avec ce... On a ce 10 de cœur hein, qui est là, 10 de cœur concernant les projets. Vous êtes dans l'attente de cet homme ou de cette femme qui vous a promis des choses. Et là, on voit que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, chagrin, larmes. Vous êtes dans l'attente parce que peut-être que vous ne vous voyez pas assez régulièrement. Vous n'êtes pas encore engagés ensemble, d'accord? Et pour d'autres, c'est pour celles et ceux qui sont en couple, mes amis Gémeaux, peut-être que là, vous êtes dans l'attente, peut-être que... Vous avez peur, comme je le disais, vous avez peur à la trahison, vous avez peur que, qu'il y a des personnes qui pourraient influencer votre mari ou votre femme. Donc là, en tous les cas, on nous parle de visite. Peut-être que justement, votre homme ou votre femme fait des déplacements, vous ne vous voyez pas assez. Et là, il va falloir, on voit que ça vous perturbe. C'est pas méchant, hein. Chagrin sur quoi? De l'inconstance. Vous êtes instable. Vous voyez, on avait sorti tout à l'heure la carte de l'instabilité. Qu'est-ce qui vous tracasse? Hein, peut-être par rapport... Pourtant, cet homme ou cette femme, on a le droit de cœur. On vous aime, vous qui vous love, hein, votre mari. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, peut-être que vous avez peur, peut-être, si vous rencontrez un homme qui a de l'argent ou une femme qui a de l'argent, peut-être que vous n'avez peut-être pas les mêmes revenus et vous avez peur que ça ne marche pas. Mais zen, l'amour est plus fort que tout. Hein. Donc, que vous n'ayez pas d'argent, il ou elle vous aimera quand même. Hein.
D'accord. Donc un peu de tracas, mes amis. Gémeaux dans le domaine sentimental, mais c'est pas méchant. Ça peut être aussi parce que vous ne voyez pas assez, hein. Où il y a de la distance entre vous, tout simplement. Allez, mes amis Gémeaux, hop, 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 on finit avec le père Papus. Oh, génial. On nous parle de deuil, on nous parle de chagrin, on vous demande de terminer une situation, de mettre fin à une situation par rapport aux personnes qui sont nées au mois d'octobre. Alors, ça peut être concernant... Alors là, je fais pour vous, mes amis Gémeaux, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'octobre, on nous parle d'un 5 d'épée à l'envers. Le 5 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle de conflits, de disputes. On vous dit de faire attention aux ragots, à la méchanceté des gens. On l'a vu avec la dame de carreau, faites attention, hein. Donc là, on vous dit de mettre un terme à ces gens, avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez la roue de la fortune, vous avez ce chiffre 10. On a aussi le signe de la Vierge, peut-être avec une personne, hein, si c'est dans le domaine sentimental. Donc c'est vrai que c'est une arcane majeure. Donc le... La roue de fortune, elle nous parle de chance et on avance. Donc là, vous terminez un cycle, là, avec ce chiffre de 5 d'épée, hein, le deuil. Donc là, tout ce qui était avec ces personnes-là, vous allez mettre un... Vous allez déblayer, mes amis Gémeaux, il va falloir le faire, concernant des personnes mauvaises. D'accord? C'est peut-être ça qui vous tracasse, hein, tout simplement. Mais en tous les cas, vous avez la roue de la fortune, il y a un coup de chance, on avance, là. Waouh, regardez-moi ça, c'est pas beau, ça. Magnifique, magnifique. On nous parle du diable, mais il est à l'envers, donc tant mieux. Alors, c'est vrai que le diable, alors quand il est à l'endroit, on nous parle de situation malsaine, de faire attention aux gens autour de vous. Mais là, on avance. Je vous ai dit, vous allez me déblayer tout ça, peut-être faire attention avec un signe du Sagittaire, tout simplement. Alors, vous pouvez être Gémeaux, ascendant Sagittaire aussi, hein, concernant une situation au mois de novembre. Alors, j'ai Scorpion et Sagittaire, hein. Ouais, fleurissement. Il y a un nouveau départ, hein, pour vous, hein. Vous allez devoir faire le tri, mes amis Gémeaux, du tri de tout ce qui est négatif. Parce que regardez, nous avons un roi de denier. Génial. On avait vu tout à l'heure avec Monsieur le Règle de la Sibylle, roi de... C'était le roi de cœur, et on avait vu aussi que dans l'oracle de la Sibylle, c'était le rentier. Donc, et là, vous voyez, cet homme, il est là, c'est le roi de coupe, c'est magnifique. Le roi de coupe, c'est l'homme qui est gentil, qui est stable, qui sait être à l'écoute, c'est quelqu'un d'honnête, sincère. Et on vous dit, franchement, c'est une personne qui, dans le domaine des finances, il vous mettra... non, c'est pas le roi de coupe, c'est le roi de denier, pardon. Le roi de denier, lui, c'est la sécurité, la stabilité, la responsabilité, la protection, et surtout, niveau financier, il tient la route, hein. Il tient surtout son denier, vous voyez, il vous regarde, là, il vous attend, et c'est vrai que c'est un homme qui a du caractère, mais un homme ou une femme, vous inversez, mais qui est stable, qui est gentil, hein, qui sait être à l'écoute. Et on nous parle de réussite, on nous parle du soleil. Donc là, on nous parle d'un signe du poisson ou d'un signe du mois de Verseau, d'accord, si c'est dans le domaine sentimental. Ça peut nous parler aussi dans le domaine professionnel, hein. Ça peut être un chef d'entreprise, hein, aussi, cet homme-là, un commerçant, un chef d'entreprise. En tous les cas, c'est une personne qui bouge, qui est actif, en tous les cas, ou qui est active. On nous parle du signe du poisson aussi, donc ça c'est génial, ou du Verseau. Donc en tous les cas, vous avez la réussite avec le soleil, ça c'est génial. Et on nous parle aussi un signe du scorpion, hein, et un autre signe, c'est du mois d'octobre, et on nous parle de tempérance. Donc on vous appelle quand même à temporer les choses, à temporiser les choses, surtout, si c'est une belle... Alors là, de toute façon... Temporer. Je vais juste recouvrir la carte de la tempérance. Pourquoi on vous demande de tempérer? Est-ce que vous irez trop vite avec cette personne-là? Pourtant, vous pouvez. On a la dame de coupe. Donc là, c'est vous. On vous demande, hein, de tempérer les choses, vous, mesdames. De ne pas vous emballer, ou vous, messieurs, par rapport à cette rencontre qui va se faire très naturellement. Tout simplement. C'est comme si vous avez envie d'avancer plus vite. Donc, tempérer. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place gentiment, mais sûrement. Donc, voilà les amis. On nous parle de jugement, réconciliation. Ça peut être le retour d'un ex. Ah ah. Vous me direz en commentaire, mes amis Gémeaux. Bon, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois d'avril 2022 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve le mois prochain. Et puis, bah, je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.